Salut à tous les amis, c'est KnightHG, on se retrouve une nouvelle fois pour le let's play de Deus Ex. Je suis retourné là où on en était quand on s'est quitté la dernière fois. Alors c'est parti. On repart sur une vidéo. Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus courtes, hein, je l'avais déjà dit, mais j'ai un peu de mal. Il y a tellement de cinématiques que j'ai du mal à faire des vidéos plus courtes. Enfin bon. Ah nickel, un petit pistolet, un corps à fouiller, il n'y a rien dedans, c'est pas grave. Allez. Jensen, ici Miller. Écoutez, je vais avoir besoin que vous me fassiez votre rapport le plus vite possible. Vous arrivez quand? Ça dépend combien de flics me demanderont mes papiers. Merde. Malheureusement, je peux pas faire grand-chose pour la police après l'attaque d'hier. Recontactez-moi quand vous pourrez. Terminé. Joli temps pour se balader. À moins que vous cherchiez les ennuis, allez voir ailleurs l'amplifié. Pourquoi ça prend pas le checkpoint? Ah ok. Je les ai eus la semaine dernière. Non, je l'ai eu la semaine dernière. Ah bah ça va, les flics ne me contrôlent pas en fait. Eh bah apparemment faut qu'on aille là-bas. Voyager. Alors, il y a beaucoup moins de monde par ici. Donc si je te comprends bien, on ne devrait pas les envoyer là-bas. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je demande juste si c'est vraiment légal. Non, c'est pas le cas. J'ai juste suivi les objectifs. Apparemment, je vais aller chercher une commande qui me permettrait d'activer toutes mes fonctions spéciales. Ça me fait rire, on rentre comme ça chez les gens. D'accord. Alex, la puce espionne que tu m'as donnée, ça se pose facilement? Tu vas à la TF-29? Déjà? L'ennemi va pas attendre qu'on ait fini de panser nos plaies. Cette bonne guerre. Il y a un port de données sur la carte mère du SRN. T'as juste à t'y connecter et tu pourras enregistrer tout ça. Compris, je te fais signe quand c'est fait. Sans prendre longtemps de l'eau, bah c'est quoi ça? Ah, je dois être chez moi là. Je dois être chez moi, il faut que je monte en haut. Ah, je vais pas prendre mon temps à tout fouiller, ça sert à rien, je le ferai plus tard. Ah. Adam, je vois que tu t'en es sorti. Ravi de voir que tu vas bien. Salut Aria, ouais, je l'ai échappé belle. J'ai eu de la chance. Pas comme beaucoup d'autres. J'étais là à bosser quand on a appris. C'était le chaos. Les téléphones sonnaient partout, les gens hurlaient en courant pour savoir ce qui se passait. Et quand Miller m'a dit que t'étais là-bas... Je vais bien. Bon, c'est lui que tu cherches? Il est occupé, une réunion avec Lyon, je crois. Ah ouais? Il est sur SRN, là? Oui, je viens de le voir. Ah, ça me rappelle. Voilà pour toi. C'est quoi? La carte pour le stand de tir. Chang a changé tous les codes ce matin. Il parlait de limiter l'accès aux gens qui avaient son aval personnel. L'attentat l'a vraiment secoué. Le troisième en 6 mois, c'est quand même dingue. Je suis contente que t'ailles bien. T'as une peau dégueulasse, celle-là. Merci, Aria. Je vais te laisser retourner à tes affaires. Oui, je ferais mieux de redescendre. Ça va être une dure journée. Repasse me voir si tu veux discuter. Ça marche. Merci.
Donc j'ai pas la carte qu'il faut. Elle m'a pas donné une carte là tout de suite. Ah merde. Je crois que Signe est vraiment accro à un vrai ami. Je joue beaucoup trop. Elle m'avait pourtant donné une carte tout à l'heure. Enfin vient de me donner une carte, je veux dire. Ok. Moi je te le dis, si ça avait été n'importe qui d'autre que Jensen, Singh ne serait plus là. Eh ben tu sais quoi, je crois qu'il faut tout faire. Utiliser les cartes d'accès au CRN. Je sais pas là, c'est quoi, c'est encore un bug de jeu ou On va donner une carte. On va m'en servir. Merde putain, c'est quoi ce délire? C'est pas là-dedans. C'est pas dans mon inventaire cette carte. Mis à part ça, j'ai rien qui ressemble à une carte. Ça, ce sont mes super implants. Des munitions. Aïe 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 aïe. Je suis pas dans la merde. Élément de quête. Ah, elle est là. Carte d'accès à la TF-29. Ok, donc ça c'est la carte d'ascenseur. Kit de bienvenue, ce que j'ai trouvé dans mon appartement. Et une puce espionne, c'est ce que je dois poser, je ne sais où. Bah ouais, du coup on va aller voir ce qui se passe au stand de tir. Hein. Accéder au centre de tir, de toute façon je crois que j'ai pas trop le choix. Alors tu te décides enfin à venir t'entraîner? Ah, j'avais pas vu l'arme. Quoi, c'est juste ça le stand de tir? Tu sais quel était le meilleur conseil de mon instructeur? Toujours recharger avant d'être sec. Tu gagnes du temps. Si tu zoomes avec le viseur, tu chasseras tes cibles plus vite. Essaye, tu verras la différence. Je vais pas t'apprendre qu'un tir en pleine tête, c'est le plus rapide. Joue à la manette, les gars. Je vais essayer... Oh la vache. Je vais faire ça à la souris. Appuyez sur H, Y, je veux la manette. Armez-vous du fusil de combat. Bon, si ta cible a des protections, tes balles lui feront moins de dégâts. Ah ouais, je tire où s'il a des protections? Tirez sur les cibles, rappel à votre visée. Ah ouais, ok. Ah, faut vraiment y aller quoi pour les shooter ceux-là. Putain, c'est un truc de ouf, c'est quoi leur protection? T'as vu combien de tirs il faut pour transpercer? Ouais, j'ai vu. Essaye les munitions perforantes. Ah non, c'est celle-ci.
Ok. Prenez un pistolet en maintenant X, puis appuyez sur le planement sur RT. Ok. On dit que tirer sur les systèmes de sécurité, c'est pas la meilleure tactique. Essaye plutôt de les désactiver. Ramassez les munitions IEM. Elles sont où? Elles sont là. Et je suppose que pour les équiper, il faut faire ça. Ok. Alors, sélectionnez les munitions, appuyez sur A pour passer les munitions classiques. Bon, maintenant que tu t'es bien échauffé, on va pouvoir passer aux autres aspects des armes. Ok, qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Un silencieux, d'accord, je vais équiper le silencieux, je suppose. Pour équiper le fusil de combat, maintenez Y afin d'ouvrir l'inventaire rapide. Pour accéder à l'inventaire, ok. Personnalisé, je suppose. Allez, combiné avec un silencieux. On est content. J'aime les silencieux pour le bruit, mais d'un autre côté, ils réduisent le pouvoir d'arrêt et les dégâts de tes armes. Putain, je suis vraiment obligé de me taper un... Ah ouais, il n'y a plus de puissance. Putain, c'est vraiment mal fait la sensibilité. Ça tourne doucement et après ça tourne vite quoi. Forcément c'est compliqué de... Ouais, pour retirer le silencieux, maintenez X puis accéder aux gestion des armes. Ok. Pour en gagner votre arme, maintenez X et appuyez sur main. Ok. Retour à la normale. Combien de combinaisons de touches? Le silencieux reste le meilleur choix. Rappelle-toi juste que tu feras moins de dégâts. Tu sais, il existe d'autres types d'accessoires que tu pourras monter sur ton arme. J'ai vraiment le plein. Ouvre l'œil pour les trouver. C'est bon? Putain, j'en ai plein de pièces détachées. Apparemment, on peut améliorer les armes avec. Enfin, reprends le pistolet. Ok. Alors, repasse aux munitions classiques en maintenant X, puis appuyez sur le bouton sur LB. Ouais, c'est si simple en fait. Pour ouvrir l'inventaire, je suppose qu'il faut que je maintienne. Voilà, pour personnaliser mon arme. Alors, c'est l'option automatique. Oui. Ok, donc là on l'a équipé. Dans mon automatique. Ok, c'est équipé. Non, c'est pas encore ça qu'il fallait faire. Ok, je vais personnaliser. Sélectionnez l'option automatique. Appuyez sur A pour la déverrouiller avec les pièces détachées. Faites de même avec l'option taille du chargeur. Ah, ok, pardon. Capacité du chargeur. Ok. Et j'ai déjà plus de pièces. N'oublie pas, recharge ton arme avant qu'elle soit vide et tu gagneras du temps. Ah, c'est bon, elle est rechargée. Ouais. Tirer sur toutes les cibles. Ah, il y en avait une là, j'ai pas vu. En automatique, ton pistolet sera plus efficace. Mais aussi plus gourmand en munitions. Carrément qu'il est plus gourmand en munitions. Alors, en gagner votre arme. Ok. C'était juste une piqûre de rappel, mais je suis sûr que tu savais déjà tout ça. N'hésite pas à revenir quand tu veux. Non, je ne savais pas tout, mais c'est pas grave. Bon, on a fait le stand de tir, c'est cool. Quitter le stand de tir.
Ah, il y avait des trucs dans les casiers là. Oh là là, je comprends rien, cette sensibilité, ça m'énerve. Dans ce casier là, il y avait un truc à prendre. Et lui, il était vide, ça sert à rien d'ouvrir. Du coup, je suis censé aller là-haut maintenant. Est-ce que j'ai cette fameuse carte qui me permet de monter à l'étage? Putain, c'est franchement dommage au niveau de la sensibilité. Je peux toujours pas y aller, je suppose. Non. Non, non, non. Eh ben, écoute, je sais pas. C'est une de mes quêtes, en plus, ça que je comprends pas. Ces types qui ont déboulé à Dubaï, c'est toujours pas... À ce stade, j'ai rien à faire, là. Ça fait des jours que j'ai pas vu mon patron. Ah, ta gueule. Faut que j'aille au shit. J'aurais bien aimé pouvoir continuer ma quête, mais bon, visiblement, je ne peux pas. Il me faut une carte spéciale que je vais obtenir, je ne sais comment. Oh, ça m'embête. Ah, c'est cool. Ok, on récupère des items, c'est génial. Hey Adam, attends, c'est déjà assez pénible de remplir les demandes de ravitaillement de ma crédit. Je voudrais pas lui donner plus de raisons de me dire non. Dire non à quoi? Tu rigoles? Pour l'instant, t'es le seul agent augmenté en service actif. J'essaye de changer ça. Je lui repose la question presque toutes les semaines, mais jusque-là, il veut rien savoir. Vraiment? Tu sais pour quelle raison? Mes niveaux de stress seraient trop élevés. Il veut que je suive des cours de méditation et que j'emmène Chang avec moi pour qu'il se calme et qu'il arrête de changer les codes de sécurité tous les deux jours. C'est nul, j'aurais bien voulu retrouver ces types de Dubaï, moi. Niveau de stress, je sais que tes niveaux de stress affectaient tes chances... affectent, je ne sais plus lire, tes chances de retourner sur le terrain. Tu peux m'expliquer? Après l'attentat, quand Chang a changé les serrures et les codes, il avait des ordres. Il y avait une menace plausible. Bon, je ferais mieux de te laisser bosser. Je m'en servirai toujours, hein. J'en reviens toujours pas que Miller ait confié l'enquête à Macready. Ah, désolé Adam, t'y étais aussi. Tu dois être aussi furieux que Macready contre les types qui ont attaqué notre équipe à Dubaï. Je sais pas comment ça aurait fini si t'avais pas été là. Singh se serait peut-être fait tuer. Et ça aurait pu être pire. C'est pour ça que je veux retrouver ces types. Je vais parler à Macready pour voir ce que je peux faire. Eh ben bonne chance, il m'a engueulé quand j'ai demandé si je pouvais aider sur l'enquête. J'aurais dû garder sa carte d'accès. Je veux pas qu'il vienne empester mon stand de tir. Ah, je vais laisser bon. Bosser parce qu'en fait je m'en fous de ce qu'il raconte. Bosser. Ouais, merci. On se voit plus tard. Et donc c'est bien, j'ai une petite cinématique, mais bon, j'ai toujours pas cette fameuse carte d'accès, donc et bah c'est cool. C'est cool. Je sais pas comment je vais faire pour l'avoir. J'ai monté dans le bureau là-haut et je vais essayer de voir si quelqu'un peut pas me la donner. Genre, je sais rien, c'est quand même un truc de ouf. Je dois la chercher, la carte d'accès, je... Hier soir, le collectif a publié les déclarations de revenus des 50 personnes les plus riches en Suisse. Jen, il faut qu'on parle. Eh ben parlons. Tu veux qu'on parle? Bon sang, Jensen. J'ai entendu pour l'explosion. Faut qu'on bouge. Je me suis dit qu'on pourrait parler à Miller tous les deux, pour lui dire que c'est trop dangereux de rester ici. Ça ira, Chang. D'abord le commissariat, ensuite la gare. On est les prochains, je le sens. C'est même plus que ça, je sais que ça nous pend au nez. Personne ne sait où on est. Faut pas devenir parano. C'est là que tu te trompes. Il y a quelqu'un qui essaie de nous démasquer, Jensen. La preuve, Pradovo s'est fait pirater. L'entreprise qui nous sert de façade. Je croyais que c'était faux. J'aimerais bien. Miller m'a demandé de parcourir les images de l'attaque, pour essayer de découvrir qui sont ces gens. Peut-être qu'ils essaient aussi de savoir qui on est. Sinon, pourquoi s'attaquer à une société d'importation? Tu penses que quelqu'un a percé notre couverture? Peut-être qu'ils savent ce qu'on fait vraiment ici. On a beaucoup d'ennemis. Ceux qui ont attaqué la gare, par exemple. Je suis sûr qu'ils aimeraient savoir où on est. Il faut que tu m'aides à trouver qui enquête sur nous, pour qu'on les arrête. Allez. D'accord. T'as des pistes? J'accepte. Je pose pas de questions, j'y vais. Jusqu'à un appartement inoccupé.
33 rue Lavenie, dernier étage. C'est juste à côté. Ce type passe devant notre bâtiment tous les jours. Peut-être même qu'il y rentre. Tu plaisantes? Tu comprends maintenant cette impression d'être emmuré vivant? Dis-moi si je me trompe, mais je croyais qu'on devait se méfier de ce qui se passait à l'extérieur du bâtiment. C'est jamais aussi simple. Introduis-toi dans l'appartement. Connecte-toi à son ordinateur et essaie de trouver quelque chose. Sois prudent, Jensen. On ne sait pas à qui on a affaire. Je vais m'en occuper. Dès que j'en sais plus, je te le dis. C'est pas vrai. Trouver la source du piratage. En fait, c'est des quêtes secondaires que j'ai à faire. Bah écoutez, je vais aller faire mes quêtes secondaires, hein, parce que la quête principale, je peux pas la faire. Bah écoutez, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Je ne sais pas. Je sais même pas par où commencer avec cette théorie des pourcentages. Là, je suis dans le bureau du gars, quoi. Je pense que la carte d'accès, elle va se trouver là. Mais waouh. Comment je fais pour l'avoir, cette carte d'accès, quoi? Et ouais, c'est pas ça. Tout à l'heure, on m'a envoyé un code tout à l'heure. Je fais que le taper, du coup. Je crois que Singh est vraiment accro à l'adrénaline. Agent Jensen. Le directeur Miller ne devrait pas concentrer toutes nos ressources à la trace des nouveaux arrivants de Dubaï. Troisième concours du tournoi de Moussa de la TLF 9 approche à grands pas. N'oublie pas que notre stand de tir est ouvert à l'instant et que vous pouvez y trouver. Ouais, avec des munitions limitées, êtes-vous suffisamment bien entraîné? Je m'en fous. Je m'en fous de tout ça. Tout ce que je veux, c'est avoir cette carte. C'est pas beau, toi. C'est bien Jensen, hein? Oui, c'est moi. Bon, bah écoutez, les gars, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. C'est... Ah, peut-être pas, en fait. Ouais. Donc je suis ok, j'ai trouvé un passage, c'est génial. Ah bah écoutez, je crois que j'ai trouvé par où y aller. À cet endroit. Bah nous y voilà. On va pouvoir finir cette mission avant de se laisser. C'est... Ah, dites-moi que c'est un piratage à faire. Ah, j'ai pas le code, quoi. Ah, attendez. C'était quoi qui m'avait donné comme code tout à l'heure? Ok, ça n'a rien à voir. C'est aucun d'entre eux. Bon. Ah, mais... Il y a plus simple. On va passer par là. Ok, ça ne m'avance à rien du tout d'arriver là en fait. Eh bah si. Eh bah dis donc. Je crois que j'ai oublié comment on jouait au jeu moi. Donc là on a des trucs à récupérer, c'est cool. Hey. Impeccable. Alex, la puce est en place. C'est bizarre, je détecte déjà une fréquence. Merde, Adam, est-ce que Miller est là? Merde, je dois filer. Oui, il est là. Et casse-toi, mec. Je dois vous voir, tout de suite. Ok, mec, on peut se voir, je suis là. Et maintenant c'est ouvert quoi du coup. Oh putain. Agent Jensen au rapport, monsieur. Je pensais vous voir plus tôt, mais vous étiez au téléphone. Ouais, en effet. Est-ce que je dois m'inquiéter pour vous, Jensen? Pardon?
Vos systèmes ont pris un sale coup. Ça ne vous a pas dérangé le cerveau, tout va bien? Pas de pulsions anormales? Je vais pas devenir dingue et commencer à attaquer tout le monde, si c'est ça qui vous inquiète. Vous avez fait un check-up? Vos augmentations fonctionnent bien? Je m'en suis occupé. Bien, bien. Je sais qu'après tout ce qui s'est passé, j'ai vraiment besoin que vous soyez à 100%. Vous aviez l'air furieux quand je vous ai parlé. Tout va bien? Ne quittez jamais le terrain, Jensen, vous le regretteriez. À la seconde même où on vous colle derrière un bureau, vous vous retrouverez étouffé par la politique. Les chefs vous font des misères? Comment? Non. Non, ce serait plutôt la police. Ils essaient de nous évincer de l'enquête sur Gojika. J'ai besoin que vous vous rendiez sur place pour veiller à ce que ça n'arrive pas. Je dois enquêter sur l'attentat de la gare. Et pour Dubaï? Oubliez Dubaï. Ma crédit s'en occupe. Avec tout le respect que je vous dois, on n'a rien vu venir à Dubaï et ces mercenaires étaient féroces. J'aimerais savoir à qui on a affaire. Bon, je pensais que j'allais devoir me battre. Celui qui a posé ses bombes hier. Ah, les mecs de Dubaï, ils sont ouf quand même, les gars. Je suis pas chaud pour l'instant pour Dubaï, moi. Je pensais que j'allais devoir me battre. Je vais faire ce qu'ils me disent. Celui qui a posé ses bombes hier va devoir payer pour son crime. Je suis d'accord. Et nous devons découvrir le coupable avant que la police ne salope notre scène de crime. Ils essaient de se débarrasser de nous. J'ai envoyé Fletcher ce matin. Il surveille la récupération des preuves. Il a dû être retenu parce que j'ai toujours pas de nouvelles. Ils n'y arriveront pas. La République tchèque a signé le mandat de l'ONU. Les activités terroristes relèvent de notre juridiction. Certes. Mais c'est l'ancien directeur de leur service de renseignement qui est à la tête de leur police. Il a trouvé une faille et il invoque la clause d'exemption pour les attentats domestiques. Domestiques? Ils accusent la CDA, la Coalition pour les droits des augmentés. Il peut bien dire ce qu'il veut, quand bien même il aurait raison. Je veux qu'on aille voir les choses par nous-mêmes. Chang m'a dit qu'il planchait sur les images enregistrées pendant l'attentat. Peut-être qu'ils nous en diront plus. Peut-être. Mais entre vous et moi, Chang est encore un peu plus instable depuis l'attentat. Et on ne peut pas vraiment se permettre d'attendre qu'il se ressaisisse. Par où je commence? En théorie, vous êtes censé avoir un entretien avec notre psychologue avant de repartir sur le terrain. J'ai pas besoin d'un psy. Comme c'est pratique. Elle n'est pas au bureau pour le moment. Et je refuse de perdre encore plus de temps. Comment je me rends à Ruzika? Les transports en commun n'y vont plus. Je vais m'assurer qu'il fasse une exception pour vous. Allez au métro et appelez-moi une fois là-bas. Bonne chance, Jensen. Normal, je peux fouiller son bureau et son balèque. A besoin de pièces détachées pour améliorer les armes. Ça se ramasse ou ça se fouille? Oh, ça se ramasse quoi. Bon bref, bah écoutez les gars, la vidéo ça fait déjà un bout de temps qu'elle dure là, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, une fois de plus, je vous invite à aimer la vidéo, mettez un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Des commentaires hein, pour me soutenir, ce serait super sympa. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Moi sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée pour ceux qui regardent ma vidéo ce soir. Ciao ciao tout le monde, à bientôt.